Bienvenue dans un autre vlog de Calou. On est vendredi. J'étais assise sur mon comptoir. Fait que si je suis dans ma cuisine, mais plus haute que d'habitude, c'est pour ça. On a passé une couple de jours assez spéciales avec Ruby qui était malade. On est en train de s'en sortir. La troisième nuit, c'était la pire nuit. Puis après ça, hier, c'était quand même une belle journée. Début de belle soirée. Là, on est rendu comme dans la partie fin de grippe qui est plus le côté rhume. Donc, les sécrétions. Donc, c'est sûr qu'elle dort moins bien vu que son nez est congestionné. Ce matin, elle a même vomi ses sécrétions. Elle sentait pas bien. On s'entend que comme nous, des fois, ça nous remonte. Puis, on le crache, mais elle, elle le ravale. Fait qu'elle a pas le elle comprend pas, genre, de le cracher, fait que ça fait que son corps le vomit. Mais bon, je pense que ça l'a vraiment bien dégagé. Mais, elle dort depuis un bout à me demander de se coucher. Fait que je me suis dit que je vous parlerai avant que l'épicerie arrive. Ça se peut qu'elle se réveille, par exemple. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait beaucoup de choses, par exemple, hier. Je voulais me motiver parce que ça faisait une couple de jours, comme vous pouvez voir, je suis vraiment cernée, je dors pas beaucoup. Ah. Bon, fait que la vidéo va peut-être avoir l'air dépareillée. Je le filme en plusieurs bouts, mais c'est ça. Fait que je sais pas où j'étais rendue où, mais tout ça pour dire, je suis cernée. Mais ce que j'ai fait hier pour me donner comme un coup de pied dans les fesses, tu sais, vu que je suis pas allée à l'école, je me suis dit, Ruby va quand même mieux, je veux quand même profiter de la journée pour faire les trucs ici. Pour faciliter notre fin de semaine. Fait que ce que j'ai fait hier, premièrement, je me suis promenée dans la maison, puis j'ai ramassé tous les trucs qui traînaient, qui sortaient pas à la bonne place. Tu sais, que ça soit genre des jouets à d'autres places, du linge qui traîne dans le salon, soit on s'habille dans le salon, fait que des fois il en reste, que ça soit des petits bouts de papier puis des trucs qui servent à rien, je les ai jetés, j'ai fait un tri dans les bricolages, j'ai vraiment beaucoup dessiné, peinturé avec Ruby cette semaine. Fait que ceux-là qui étaient juste comme barbouillés pis tout, je les ai jetés. J'ai vidé les recyclages, les poubelles, puis j'ai fait du lavage. Puis ensuite de ça, j'ai fait les surfaces, fait que j'ai fait le ménage de la table, des comptoirs et tout ça. Puis j'ai tout lavé comme les graines, j'ai vidé le toaster. Vraiment, vraiment plein d'affaires. Ensuite, j'ai fait la balayeuse et le Swiffer et j'ai plié tout le linge. Fait que honnêtement, c'était vraiment une bonne journée. Ce qui m'a aidé, j'étais déjà comme un petit peu habillée, genre en biker short, t-shirt puis tout ça. Fait que je me suis pas comme complètement habillée, mais je me suis mis des crocs dans les pieds. Fait qu'avoir comme mes souliers de travers, on pourrait dire, ça faisait que j'avais moins tendance à vouloir me mettre sur le divan puis comme rien faire. Puis ça l'a vraiment aidé. Fait que quand j'ai besoin d'un petit bout, je pense que je fais ça. Je vais mettre mes sandales, mettre mes crocs, puis ça me donne un petit coup de pouce. Fait que ouais, fait que ça a vraiment fait du bien. C'est sûr que, comme je disais à mon mari, notre maison va jamais avoir l'air comme une maison de visite, là, genre, tu sais, les condos démo. Parce qu'on a beaucoup de choses dans un petit espace, on a des jouets dans le salon, c'est un temps de notre vie présentement, fait que je l'accepte, fait que ça va jamais avoir l'air comme rien, tu sais, comme on n'est pas des minimalistes ou rien, mais que genre tout soit rangé, genre plus de poils de chien, poubelle, genre tout comme à la bonne place, puis que mon corridor soit vide, mon corridor commençait à accumuler beaucoup de choses. J'ai fait un gros tri dans ce qu'il y avait là, puis là, comme il n'y a rien à part le sac à dos de mon mari, genre, ça fait vraiment du bien. Fait qu'on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, continuer sur cette longueur d'onde-là. Je vous montre l'épicerie dans pas long, puis c'est ça, on va voir quoi d'autre qu'on peut faire. Mademoiselle, elle a vraiment, vraiment bien dormi. Le clip d'épicerie, je l'ai comme filmé plus tôt, fait que si je parle de comme Ruby qui dort, c'est peut-être pour ça que vous êtes perdus en ce moment. Là. Comme je dis, je l'ai filmé comme en bout quand c'est arrivé, mais j'avais pas encore commencé mon vlog. Je n'avais pas commencé en faisant une épicerie, fait comme c'est ça. Ça se peut que ça soit un peu dépareillé. Mais c'est ça. Fait qu'elle sent vraiment mieux. Ça paraît qu'elle a dormi 2h30. Je pense que c'était comme le bout de sommeil qui lui manquait. T'sais, quand tu dors congestionné, tu roules beaucoup, tu travailles tout le temps. En plus, tu manges pas beaucoup, c'est comme t'es épuisée, là. Fait que, en espérant que c'est ce qu'elle avait besoin pour avoir une belle journée. Fait que, on attend
de voir ses résultats. Je ne sais pas trop quand ça va rentrer de toute façon. En l'instant, on continue les antibiotiques et c'est ça, on se reparle. Bon, fait que ça se peut très clairement que je sois interrompue parce que Ruby dort. Ça fait 2h30 qu'elle dort. Dans le fond, un matin à 9h, elle m'a demandé d'aller me recoucher avec elle. Elle était fatiguée. On s'est réveillé dans la nuit aussi. Fait que je me suis dit, tu sais, elle est malade. Elle est en fin de malade. Mais tu sais, comme, elle mange pas beaucoup. Elle est maganée. Fait que on s'est couché. Les deux, on s'est endormis. Moi, je me suis réveillée vers 10h30. Fait que je suis sortie de la chambre. Mais là, elle dort encore. Fait que ça fait 2h30. Genre, elle fait jamais des longues siestes de même. Mais comme je dis, elle a du sommeil rattrapé. Elle a un virus elle a fait beaucoup de fièvre et tout ça, fait que j'imagine que là, elle est en mode récup. J'espère qu'elle va recommencer à manger après, par exemple, parce que elle a mal au ventre, là, vu qu'elle mange pas beaucoup puis qu'elle prend des médicaments. Là, fait que j'ai hâte aussi de savoir si elle prend son médicament pour rien, t'sais. Si c'est pas ça le virus, je vais comme m'arrêter de donner les antibiotiques. Là. Mais bon, j'ai mon épicerie, fait que je vais vous la montrer. J'ai dépensé 60$. À part ça, ce que je vais faire, je vais ramasser un plat de pâtes. Penne avec crème de tomate et saucisse. C'est comme du petit potager. Il y avait ça sur le menu. Le menu en général ne m'intéressait pas, mais ce repas, oui. Je vais prendre un gros truc de ça pour nous faire des repas cette semaine. Bon, justement, elle pleure, mais des fois, elle se recouche. Puis, je vais aussi ramasser 1 litre de soupe. Fait que la soupe, ça dépend tout le temps de quelle sorte qu'ils ont. Je décide sur place, mais ça me fait comme des lunchs faciles. Fait que ça, mettons. Le repas pour 5 plus 1 litre de soupe, ça va sûrement coûter environ 25. Ouais, 25 piastres, mettons. Fait qu'on va rajouter ça à mon prix de 60 d'aujourd'hui. Bon, fait que j'ai pris des chips Old Dress. Je dis des vrais Ruffles, pas comme des fake chips. Genre des value, souvent ça me dérange pas, mais là ça me tentait. Des vrais chips. J'en mange pas souvent, fait que tu sais, quand j'en mange, je veux vraiment les aimer. J'ai pris une cantaloupe pour Chelsea qui arrive ce soir. Il est en spécial à 2,97$, je pense, 3 piastres. Fait que, en bas de 3 piastres pour une cantaloupe, je trouve que c'est quand même bon prix. Je me suis pris un autre poire. J'en prends pas beaucoup parce que souvent, ils deviennent tous mûrs en même temps puis j'en perds. Fait que je préfère y aller comme en petite dose. Des bananes, j'en avais plus justement. Fait que parfait pour demain matin. Il me reste des vols au vent. En bas, j'avais acheté un paquet de comme 2 trucs de 6 au Costco, un petit bout. Ils sont bons jusqu'en juillet, fait qu'ils sont encore bons. Fait que j'ai racheté une sauce à la king, fait que je vais faire ça avec du poulet et des petits légumes. Ça va être un de nos repas cette semaine. Ça, je les ai jamais goûtés, mais j'ai vraiment le goût de pancakes de ce temps-ci, fait que de crêpes. C'est pas de comme pas de petites crêpes, mais de pancakes. Mais je veux avoir plus de protéines parce que sinon, j'ai faim. Le reste de la journée. Fait que ça sert à rien. Fait que j'ai pris ceux-là. La première fois que je les essaye. Mais dans le fond, dans une demi-tasse, t'as 13 grammes de protéines. Puis ça dit que si tu remplaces l'eau par un tiers de tasse de lait, t'es rendu à 15 grammes. Puis si tu remplaces l'eau par un tiers de tasse de lait, puis t'ajoutes un œuf, t'es rendu à 18 grammes de protéines. Fait que ça donne des façons d'avoir encore plus de protéines par tes 2 crêpes. Fait que bien hâte d'essayer ça. Je vais vous en donner des nouvelles. Comment que c'est bon. Je risque de déjeuner de quoi de même en fin de semaine. On se fait comme un brunch pour souper dimanche. Peut-être que je vais garder ça en tête. Le bacon, d'habitude, j'achète le Great Value à 4,97$. C'est le seul qui est abordable. Les autres sont toutes comme rendues 8$ et plus dans la vie. Mais la mère Michel, ceux-là. Il est en spécial cette semaine à pas cher, là, comme 3 et quelques. Puis d'habitude, sont comme 8 et quelques. Fait que j'en ai pris 2. Un pour notre brunch de ce week-end. Puis un autre en backup. Ça reste vraiment longtemps bon au frigo. Fait que je suis pas inquiète. Tu sais, d'habitude, les dates sont assez. Sinon, je peux mettre au congélateur aussi. Là. Mais tu vois, il est bon jusqu'au 23 000. Fait que je peux le laisser dans le frigo. C'est sûr qu'on mange du bacon d'ici là. J'ai pris des laits d'avoine, il est en spécial à 3,47$, fait que vraiment moins cher même qu'au Costco. Puis on n'en avait plus, fait que j'en ai pris. J'ai pris des pains hamburgers pour faire les sandwichs de Chelsea pour l'école. Elle aime vraiment mes sandwichs dans... Excuse-moi le bruit, je vais juste refermer le sac. Elle aime vraiment mes sandwichs, puis c'est des sandwichs dans les pains hamburgers qu'elle aime. Fait que j'ai fait là-dedans.
personne s'ostine. J'ai pris d'autres petits griots pour mon mari. Moi, j'aime faire mon propre griot. Lui, à sa job, c'est plus facile ça. Le spaghetti chez nous, on en mange beaucoup, pas tant moi, mais Ruby, c'est les seules pâtes qu'elle accepte de manger ici. Donc souvent, quand mon mari fait, mettons, du spag pour Ruby, ben il mange tout du spag. Fait que j'en ai pris 4. Raison que j'en prends 4, c'est que tout augmente en prix de ce temps-ci, comme souvent. Okay? En ce moment, les spaghettis sont 94 sous au Walmart. Fait que quand même vraiment bon prix comparé à toutes les autres pâtes qui ont monté à 2 et quelques partout. Fait que j'en ai pris 4. Au cas où ça augmente en prix, ben au moins j'en ai 4. C'est ça ma mentalité. Fait que ça va coûter moins de 4 pièces pour 4 paquets de spaghettis. Fait que honnêtement, je ne m'ostine pas avec ça. On continue. Ah, j'ai 2 autres lait d'avoine. C'est vrai, j'en avais pris 4 vu qu'ils étaient pas chers. Fait que je vais pas vous les remontrer. Puis mon dernier sac. Je me rappelle même pas ce que j'ai. Ah oui. Les viandes froides pour les sandwichs, justement, c'est un paquet de 2. Ça fait que c'est 500 g de viande froide pour 8 $. Je sais que des fois, au maxi, il y a comme un paquet de 300 pour ce prix-là. Fait que c'est quand même un bon prix. Puis tout le monde l'aime. C'est le à l'ancienne Olimel. Fait que ça passe. Ici. Puis la salade est en spécial à genre 3 piastres, je pense, ce sort-là. Fait que je l'ai pris. C'est bon en accompagnement à la salade. Des fois, quand je sais pas quoi manger, je prends une salade. Fait que c'est vraiment passe-partout. Fait que c'est ça. Mon but pour aujourd'hui, je vais essayer de... Hier, en tout cas, comme je vous ai dit, j'ai fait du gros ménage. Aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment faire du ménage du congélateur en haut. Parce qu'il est vraiment plein. Puis on a du stock en bas aussi, mais je veux juste comme réorganiser, voir ce qu'on garde, ce qui est plus bon. Je me retrouve plus là-dedans. Puis j'aimerais ça aussi peut-être faire des crêpes, puis les faire congeler pour qu'on en aille facile à remettre comme dans le grille-pain. Ça serait comme une option plus santé que, mettons, des petites crêpes normales du Walmart. Fait que je vais sûrement me mettre là-dessus puis le congèle tantôt. Mais de toute façon, je tiens au courant, ça va vraiment dépendre de comment Ruby affile. Fait que, ouais, on se reparle. Ruby, elle a refait un autre dodo dans le tour. J'ai acheté quelques trucs au IGA que je vais vous montrer si peu. Je prenais juste un moment pour coller mon bébé. Bon, fait que j'ai pas acheté grand chose au IGA. J'avais un 5 $ de billets de loterie à redonner. Fait que ça m'a coûté un peu moins cher. Mais j'ai pris des petits Rice Krispies comme ça pour les lunchs cette semaine. J'ai aussi pris un cup de fruits pour Chelsea. J'ai acheté aussi une cantaloupe qu'on va couper. Mais j'ai acheté un petit cup comme ça qui allait une petite variété. Fait que c'est ça. J'ai pris des compotes pommes, pêche, mangue. Chez Ruby, souvent, elle en mange de même à la garderie. Fait que. Puis elle a comme de la misère à manger de ce temps-ci là, avec sa griffe. Fait que je me suis dit peut-être que ça va la motiver. Puis j'ai pris un mélange à biscuits à l'avoine. Ça me tentait vraiment. Puis j'ai pris un mélange aussi de biscuits muffins. Pas biscuits muffins, des muffins à l'avoine. Ruby, elle aimait vraiment ça avant. Puis là, j'espère que ça va l'inciter à manger. Your day? Thank you! Là, au moins, avec sa sœur, elle a accepté de m'en boire un truc au complet. Avant, elle voulait pas m'en prendre. Fait que, do you guys want to help me make the muffins? Oui! Oui! Bon, fait qu'on va faire ça. C'est très simple, c'est juste rajouter de l'eau, mais ça va être le fun. Dehors, il fait comme 10 degrés, fait que c'est pas si pire. L'air, ça fait du bien pour les petits poumons quand t'es malade de toute façon. Ruby, elle va vraiment mieux aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je pense qu'on est finalement sorti de tout ça. Étienne, il dort vu qu'il travaille nuit, puis dans pas long, je vais faire le dîner, je vais garder ça simple.
Puis après ça, on va faire la sieste. Très important, vu que la game, c'est de soir, ils vont se coucher plus tard. Fait que les deux vont faire la sieste. Puis après ça, je vais faire les bains. Moi, je vais prendre ma douche, puis on va partir. Avec mon argent de fête, je continue à faire des petits achats ici par là. Fait que j'ai des trucs Amazon qui s'en viennent. Premièrement, j'ai commandé des earphones, fait que des écouteurs Bluetooth, mais comme pas des AirPods, là, genre une autre marque qui sont supposées de marcher vraiment bien. Excuse-moi, le chien attire sur la liste, ça vous fait pomper. Parce que les miennes, dans le fond, mes écouteurs iPhone, il y en a juste une qui marche, puis ils arrêtent pas de faire pause, go, tout le temps, tout ça. Puis souvent, j'écoute ça quand je couche Ruby ce soir, parce que des fois, ça prend du temps avec elle, fait que j'écoute un podcast, mettons. Puis ça bug tout le temps, fait que c'est pas très le fun. Fait que je me suis pris des genres de. C'est sûr, des earphones sans fil, rose gold, là. Ils étaient 30$, mais ils ont des bons reviews, fait que je vais essayer ça. Je vais vous les montrer quand je les reçois. Je pense que ça va être demain ou aujourd'hui, je suis pas sûre. Fait que ça se peut que ça soit dans le vlog là ou un autre. Sinon, j'ai aussi pris des petits clips à Crocs. Les Pokémon, je les avais déjà. Mais ceux-là de Princesse, j'en ai commandé pour que Chelsea puisse en avoir elle aussi sur ses Crocs. Fait qu'on en a choisi 8. Fait 4 par Croc. Puis moi, j'en ai pris d'autres. Puis j'ai donné genre Moana. Puis je sais pas trop qui d'autre à Ruby aussi. Fait qu'on a tous des petits Crocs clips, là. C'est pas des vrais Crocs, là. Moi, je paye pas les prix des vrais Crocs. Il y a juste Étienne qui veut pas, qui refuse de porter des Crocs, mais bon, c'est correct. Fait que c'est ça, il dort, j'avoue, j'ai pas pensé que ça allait être découverte, fait que je vais parler moins fort. Sinon aussi, j'ai commandé, moi, un livre sur l'école à la maison au Canada. Il y en a un autre qui parle de l'école à la maison au Québec que je vais commander éventuellement, mais je voulais lire celui-là en anglais. J'ai vraiment de la misère à lire de ce temps-ci. Je fais juste des diamond paint. Fait que je voulais prendre de quoi qui allait être facile pour moi. Bon, on les fait s'écrire après. Puis, excuse-moi. J'ai racheté un autre manga pour mon mari pour continuer sa série qu'il aime vraiment. J'ai acheté comme c'est comme un journal intime, mais qui pose quelques questions. Fait que je me suis dit que ça pourrait l'aider à s'exprimer. Est-ce que tu veux l'asseoir? Est-ce que tu peux la laisser s'asseoir, s'il te plaît? Puis, Ruby, j'ai pris un livre sur l'océan. Fait que je vais vous montrer ça quand j'arrive, mais comme je dis, je sais pas si ça va être dans ce vlog-là ou pas. Mais c'est ça. La journée continue. Bonjour! Donc, on s'est pas officiellement reparlé aujourd'hui. Dans le fond, comme hier, quand je vous ai parlé, on était collés sur le divan, on faisait des muffins. C'était hier. Puis, quand je faisais le ménage, la cuisine, c'était ce matin. Fait qu'on est comme le lendemain. On est samedi. Finalement, ça a été une nuit assez bizarre. Ruby, à l'EUC, on a arrêté les antibiotiques vu que c'est plus de quoi avec une bactérie. Mais à l'EUC, comme une, je suis désolée, ceux-là qui sont dégueulassés, mais une genre de diarrhée, ça y a comme, elle disait que ça y brûlait les fesses. Fait que ça, c'est sûrement causé par l'antibiotique. Puis que là, je suis contente qu'au moins on l'arrête. Mais ça le fait que genre elle chialait, qu'elle avait mal, même si on voyait rien, tu sais, c'était pas rouge, elle avait vraiment mal, fait qu'on l'a trempé dans le bain un bout, après ça elle voulait comme pas dormir mais était vraiment fatiguée, elle a resté sur le divan avec moi et Étienne, elle dormait mais elle se réveillait en pleurant tout le temps, puis finalement elle a comme, j'ai essayé de la coucher après quand moi je me suis couchée vers 10h, elle pleurait pour ses fesses encore. Elle m'a demandé le bain. Fait que on est allé dans le bain. J'ai mis des petits bruits de d'eau, genre. Puis elle a chillé un bon 20 minutes dans le bain. Puis après ça, je suis comme allée la coucher. J'ai séché ses fesses comme il faut, puis tout. Puis on a bien dormi le reste de la nuit. Fait qu'au moins ça. Fait que là, on va aller au Rocket de Laval pour notre date aujourd'hui. C'est à 7h au lieu de 3h. C'est toujours à 3h les samedis. Fait que là, je suis vraiment comme perdue. Mais c'est à 7h. Fait que c'est pas grave. Ruby, elle a fait une sieste après-midi. Moi aussi, j'ai dormi. Fait que tout le monde est en forme. Tout le monde va bien. Ruby, il reste juste comme un peu de rhume. C'est tout. Mais elle pète le feu. Là. Fait qu'on a retrouvé notre fille après une semaine de maladie. Fait que très contente. Fait que sur ça, je pense que je vais vous laisser parce que demain, c'est dimanche. J'ai pas vu mon mari beaucoup récemment. Je suis contente d'avoir notre temps ensemble ce soir. Mais on va passer une journée tranquillos en famille demain. On n'a pas vraiment de plan.
ce qui est parfait, honnêtement. Avant que la saison de camping et tout commence dans 2 semaines, ça va être bon d'avoir un petit dimanche tranquille ici. Je vous souhaite une belle journée ou soirée. Profitez de vos proches. On se reparle sous peu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et on se voit une prochaine fois. Bye!